Jean-Christophe Angelini, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Vous avez été confirmé dans vos fonctions de secrétaire national du PNC pendant cette Assemblée Générale. Alors pendant cette AG, on a aussi beaucoup entendu parler de renouvellement. Les instances du parti ont d'ailleurs été profondément modifiées avec l'arrivée d'un certain nombre de jeunes. Vous, à titre personnel, ça fait 20 ans que vous êtes secrétaire national du PNC. Est-ce que le symbole le plus fort, le signe le plus fort, ça n'aurait pas été justement de laisser la place à quelqu'un d'autre aujourd'hui ? Mais je ne vous cache pas qu'il en a été amplement question et que les militants ont préféré opter pour une stratégie en deux temps. Premier temps, celui qui a consisté à renouveler très largement nos instances, vous l'avez dit, une trentaine de jeunes de 20 à 25 ans qui rejoignent aujourd'hui le conseil et l'exécutif. Et en fin d'année, au moment du 20e anniversaire en décembre 2022, des changements plus profonds encore, dont peut-être celui que vous évoquez et que je suis le premier à souhaiter pour l'avenir du parti et pour sa pérennité. Alors pendant cette Assemblée Générale, vous avez beaucoup aussi parlé d'adjournamento et de repartir au combat, ce sont vos mots. On le rappelle, il s'agit de votre première Assemblée Générale depuis cet échec aux élections territoriales du mois de juin dernier. Comment, dans ces conditions, rebâtir une stratégie, refonder le parti, c'est ce que vous avez dit, et sur quoi ? On a été pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'opposition, et la parenthèse de partage des responsabilités est somme toute assez courte au regard de l'histoire. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas fait changer en profondeur ce pays. Donc aujourd'hui, indépendamment des responsabilités que nous occupons, en tant que maire, conseiller territoriaux, conseiller dans des communes, adjoint, etc., nous pensons qu'il faut renouer avec un cheminement militant. Moi, je vais le dire clairement, ces dernières années, le PNC s'était un peu endormi dans le confort des institutions, des acquis. Aujourd'hui, il reprend. Il faut repartir sur de la lutte de masse. Alors, il faut repartir sur un combat qui est profondément changé. On n'est pas dans le nationalisme ou la Corse des années 80 ou 90, mais en 2020, 22, il faut penser le monde dans lequel on s'inscrit et agir localement avec une perspective, je le redis, globale et beaucoup plus ambitieuse. Donc oui, un nationalisme des temps nouveaux, un nationalisme de projet et pas simplement en opposition, même si vous l'avez dit, nous sommes en opposition claire et permanente avec l'actuelle majorité territoriale. Justement, à ce propos, pendant cette Assemblée Générale, il y a eu quelques pics de votre part, mais de la part d'autres aussi, concernant votre ex-partenaire, Fema Gorsiga. Vous êtes passé à titre personnel de conseiller exécutif à président de groupe d'opposition face à une majorité nationaliste. C'est une situation complètement nouvelle. Alors, comment, vous l'avez dit d'ailleurs à la tribune, les mois qui ont suivi cette élection territoriale ont été difficiles à digérer pour vous à titre personnel. Comment exister face à cette majorité nationaliste? C'est un rôle qui est quand même compliqué, Jean-Christophe Angelini. Non, je pense au contraire qu'il est très simple. D'abord parce que le militantisme et le mouvement national, je l'ai dit, existaient bien avant d'être aux responsabilités, et tant mieux. Deuxièmement, parce qu'ils ont vocation à continuer. Il y a aujourd'hui beaucoup de nationalistes. Vous parliez du PNC ou d'ANCM, mais il en est beaucoup d'autres qui ne se reconnaissent pas dans l'actuelle majorité et qui, sans ouvrir de conflit avec elle, veulent changer les choses profondément. Dire également que nous avons vocation aujourd'hui à fédérer très largement sur des bases de projets et que cela, des nationalistes de tous horizons sont prêts à le rejoindre, à y participer. Donc non, ça a été dur. Bien sûr, pendant les quelques semaines qui ont suivi, mais aujourd'hui, vous l'avez compris, on a repris le sentier des mobilisations et voir autant de gens présents contre toute attente, on va se le dire. Ça nous a conforté dans l'idée qu'on était aujourd'hui collectivement prêts à y aller. Bon, remettre le PNC en ordre de marche, en quelque sorte, vous l'avez dit à la tribune. Merci Jean-Christophe Angelini de nous avoir accordé cet entretien. Merci.